deuxième partie, ce sont les produits en fait pour la vie de tous les jours. On va commencer avec la boutique La Luma. C'est une boutique qui est typique. C'est une boutique qui est spécialisée en alternatives écologiques. Zéro déchet. Zéro déchet. Fait qu'ils ont zéro déchet et alternatives écologiques. Bon. Puis eux, dans le fond, c'est un détaillant, donc c'est comme une boutique qui ont plusieurs brands, plusieurs marques à l'intérieur du magasin. C'est pas leur brand qui vous vend, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de produits. Allez voir sur leur site, il y a de tout. En fait, ils nous ont envoyé leurs préférés, leurs chouchous. Première des choses, il y a les serviettes hygiéniques de gros format comme ça, en fait, pour flux abondant. Oui. Donc, vous l'attachez comme après votre culotte, comme n'importe quelle serviette. Là, en fait, je vais vous mettre un petit close-up comme ça, là. Puis, c'est vraiment comme super doux à l'intérieur. On a aussi le format tanga, le plus pour les petites culottes G-string qu'on appelle. Ça minimalise tes risques d'infection vaginale. Ouais. Ce qui arrive souvent quand que tu vas tomber dans ta semaine, ça arrive vraiment souvent des vaginites. Mais moi, j'ai une question qui suit, par exemple, parce que j'ai déjà essayé ça. Puis là, je me demande, si je suis à quelque part, qu'est-ce que je fais avec? Moi, j'avais jamais pensé à ça, tu sais, j'étais comme assez cool, tu sais. Moi, mettons, t'as des taches, là, puis tu la replisses sur elle-même, genre. Ou comme qu'ils disent, tu peux la mettre dans un petit sac. Dans un petit sac, mettons. Sinon, pour celles qui portent pas de serviette, en fait, ils ont une alternative à la Diva Cup qui s'appelle la Fleur Cup. Et dans le fond, c'est comme un tampon réutilisable. Fait que ton sang tombe là-dedans. Puis tu te laves, t'enlèves ça. On dirait un loup tellement c'est confortable. Ouais. Ensuite de ça, moi, mon grand-père, en fait, il a jamais changé ça. Il a tout le temps gardé ça. Et ce sont les fameux mouchoirs. Puis moi, je me mouche en petit pépère dans la vie, là. Et là, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Prochaine fois, j'ai une petite grippe, là. Mais une petite grippe, ça y va par le vent, la morve, là-dedans, les gros motons. Ouais, mais moi, mon grand-père, il se met ça dans la poche. Ah oui, dans la poche. Mais c'est bien pour, mettons, quand t'as des allergies, tu sais, tout le temps comme un petit mouillé, là, qui sert pas vraiment un Kleenex. Fait que ça va être parfait. Ensuite, on a encore une fois un shampoing solide. Ça, je pense que ça revient dans pas mal toutes les brands, un petit shampoing solide. Celui-là, c'est une petite boule. Sinon, ça, vous avez sûrement vu ça passer sur Instagram, mais c'est les fameux cups réutilisables. Que vous pouvez vous-même personnaliser, ces choses-là. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah non! Là, tu peux, là... C'est cool, hein? Puis l'année de ta coche à 6. Ouais. Puis là, t'as la petite paille qui vient avec. Puis vous avez toutes les indications des mesures à l'intérieur aussi. Ça, je pense que tout le monde, à ce moment-ci, la vie devrait avoir une tasse réutilisable ou une bouteille réutilisable. Là, les bouteilles en plastique, là. On a aussi les petits tampons démaquillants. Oui! Ça, écoute, c'est la vie. Dans le fond, ça aussi, je pense que c'est un must, surtout pour les filles. On se démaquille anti-pépère. À chaque jour. Imagine le nombre de tampons que tu jettes. Ouais. Et puis là, tu peux juste les laver. Puis les réutiliser. Et là, le plus impressionnant de tous, c'est le papier de toilette. On a un papier de toilette. On a été vraiment très surprise de recevoir ça. Moi, je savais pas que ça existait. Moi, j'ai vu ça arriver, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Des couches pour enfants, là? je sais pas. Je sais que vous avez eu la même réaction que moi, mais on va pas me suer caca avec ça. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est plus pour le pipi. C'est un tissu, là, je veux dire. Mais c'est vraiment doux, fait que t'as pas peur de tirer la noune. Puis j'avoue, pour essuyer un pipi, qui est un pipi, je veux dire, un coup de pipi, c'est quoi, il y a trois gouttes, là, qui tombent, fait que tu sais, tu mets ça dans le lavage, ça se lave, puis... Ah, puis il y en a en tabarouette, là. Ah! Quelle belle surprise. Ensuite, quelque chose qui est quand même assez commun aujourd'hui, on y pense pas nécessairement, mais c'est les fameux sacs d'épicerie que vous pouvez mettre vos légumes dedans. Ouais. C'est les sacs à fruits et légumes. Quand tu prends les petits sacs de plastique là, qui déroulent là, à l'épicerie, t'en passes vraiment beaucoup. Ouais, vraiment. Ça existe. Oui! C'est la même affaire, mais tu peux le réutiliser. Et ceux-là, en fait, ils viennent de chez Sac-Sac, une compagnie québécoise également. Puis ils proviennent, en fait, ils font plein de sacs de grandeur différente pour les sacs. Puis ça se met dans cette petite pochette-là de chez Sac-Sac. Ils sont full beaux. Oui. Ah. On a eu un colis qui est arrivé dans un sac réutilisable. Oui. C'est les Écolibris.
s'appelle Écolibri. Écolibri. Ils nous ont envoyé des lingettes démaquillantes de différentes grandeurs. Pour vrai, ça, c'est vraiment pratique. Moi, j'utilise des lingettes démaquillantes, justement. Ben oui, puis, tout le monde, toutes les filles. Ouais. Fait que tu utilises, t'as la petite pochette. Il y en a foule. Ouais, fait que t'as la petite pochette que tu peux diviser tes trucs à l'intérieur. Puis, en fait, c'est une boutique en ligne. Ils ont un compte Instagram aussi. Leurs produits sont vraiment beaux. Leur branding. Leur branding, ouais, c'est vraiment beau. Ça, ça s'adresse aux mamans de ce monde, peut-être, qui préparent les lunchs, les papas de ce monde qui préparent les lunchs aussi. Ouais. Ou si toi, tu prépares tes lunchs toi-même, ben, en fait, il y a les petits sacs à collation comme ça qui tiennent debout. Fait que tes raisins, ils passeront pas partout. Puis, c'est vraiment cute. Puis, l'intérieur aussi, c'est super. Tu sais, ça salira pas, là. C'est un peu comme plastifié-ish, là. Puis, ça, honnêtement, moi qui jamais chez nous, je suis toujours partie. Des Ziploc, j'en utilise, puis des Tupperware. Ouais. Tout le monde est comme arrête d'utiliser les Ziploc. Ok, mais un Tupperware, ça prend-tu de la place, puis c'est fatigant. Ouais. Fait que des petits sacs comme ça à collation, c'est parfait, ça se. C'est mou, ça se met un peu partout. Ça se met n'importe où, puis ça se réutilise. Oui. Donc ici, il y a des petits sacs réutilisables que vous pouvez mettre vos affaires dedans. Donc ceux-là, ce sont les sacs à sandwich qui sont relativement. Ah, wow! C'est vraiment la grandeur d'une sandwich. En plus, ici, il y a aussi les sacs à fromage. Fait que tu peux mettre tes fromages dedans. Ouais. Puis la propriétaire aussi de la compagnie m'a dit qu'il va y avoir des nouvelles pochettes qui vont sortir avec des petits designs dessus qui vont être disponibles sur le site web. Puis en plus aussi, elle va faire affaire avec des artistes québécois qui vont faire des designs sur les sacs. Et là, pour compléter ta boîte à lunch, ben, t'as ton étui à ustensiles pour pas salir. C'est bien cute, là. Lui, en plus, il glow in the dark. Tu sais, les ustensiles qu'on emballe dans, comme quoi, dans ta vie. Ouais. Ben là, tu mets ça là-dedans, puis c'est tout cutie. Ouais. Si tu peux le laver. Et là, toujours dans le domaine de la cuisine, ce sont les fameux sacs à popcorn. Et ça, c'est leur plus populaire item qu'ils ont parce que, ben, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça de part d'autre. Puis c'est super simple, tu mets tes grains de popcorn à l'intérieur, et puis, ben, tu fais chauffer, puis ça fait ce popcorn. Ouais. C'est beaucoup plus santé du popcorn maison que du popcorn en sac. Parce que tu peux contrôler qu'est-ce que tu mets dedans. T'sais. Exactement. Comme... Puis ton grain. Parce que ton grain, tu peux l'acheter en n'importe quel magasin de grande surface vraiment en vrac. Là. Un petit sac à savon. À place d'une boîte à savon, on a un petit sac à savon. Un petit sac à savon. Tu promènes ta savonnette. Ben ouais. Et ceux-là, c'est avec Écolo Accro, une autre boutique en ligne. Oui, on peut avoir leur Instagram aussi, puis sinon, c'est en ligne. Première des choses que moi, je me suis vraiment demandé, c'était quoi au début quand ils ont envoyé ça, c'est des Q-tips réutilisables. Fait que ça gratte l'oreille, là. Moi, j'ai essayé. Je pense qu'il me faut un peu de pratique parce que ça me stresse de me défoncer. C'est stressant parce que sont longs, je peux comprendre. Oui. Mais mettons, ok, moi, j'essaye, puis j'étais vraiment concentrée dans le miroir. Tu sais, je me promenais pas, là. Puis ça te gratte l'oreille, si vous aimez ça, moi j'aime tellement ça, laver les oreilles, ça me fait du bien. Fait que ça te gratte l'oreille, puis ça fonctionne, sérieusement, j'ai retiré. Ouais, moi aussi, de ce que j'ai fait, ça a sorti, là. Ouais. Ici, on a un sac à congélation, fait que tu mets ce que tu veux dedans, puis tu le mets dans la congélation. Ouais. Tout simple. Ensuite, on a encore une fois des petits sacs collation, comme ça, de plusieurs formats. Et puis, ils sont bien cute, des petits fruits dessus, ben cute. Pour le reste, ça, je pense que ça va être la chose que je vais le plus étudier. Ouais, il y a les Scott Towel réutilisables. C'est vraiment comme un tissu de serviette, là. Fait que c'est vraiment absorbant. Puis, ben. C'est cute. Encore une fois, on peut laver, puis on peut le réutiliser. C'est parfait, ça aussi. Je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment beaucoup utiliser. Ouais, moi aussi. Ça aussi, j'ai trouvé ça bien fun quand on a reçu ça, mais c'est pour ton Swiffer. Tu sais, au lieu d'acheter des pads que tu jettes tout le temps. Salut tout le monde! Donc, on se transporte un peu dans le futur. Je suis à Los Angeles et je suis seule. Noémie n'est pas là, obviously. Et puis, ben, les dangers de travailler avec la technologie, ben, des fois, c'est ça. C'est qu'on a comme pas filmé la fin d'une vidéo. Donc, je dois la faire seule. Il nous manquait juste un produit à présenter, au moins. Puis, ben, vous dire bye, tu sais. Fait que. Bon, je vais là. Donc, il restait seulement, dans le fond, la pellicule alimentaire. Donc, ça sert à place du saran wrap, le maudit plastique, ben gros rouleau de plastique que tu mets pour protéger tes aliments ou pour les garder au frais. Et ben là, c'est comme fait en genre de cire. Puis, t'en as toutes les grandeurs. Et ça vient vraiment en paquet de plein de grandeurs pour toutes tes pots que t'as.
Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo-là. Je trouve que c'est vraiment très important d'en parler. Allez voir la partie 1, c'est sur les produits de beauté. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous plier à l'écologie, de au moins faire quelques petits gestes. Même si tu ne deviens pas zéro déchet, là, trouve quelque chose qui va changer. Même si tu dis, ben là, ça sert à rien, c'est juste moi qui ai fait dans la vie. Ouais, mais c'est pas si tout le monde se dit ça, c'est parce qu'il y a personne qui va avancer. Commencez donc par un petit geste, mais à un moment donné, vous allez voir, ça devient vraiment dans votre quotidien. Maintenant, honnêtement, je suis tellement consciente de ce que je fais. Puis c'est juste, ça fait partie de moi maintenant, honnêtement. L'écologie est en moi. Et puis, gardons notre planète, parce que sinon, ben, on va toutes mourir. Et ça serait bien platant si on meurt toutes. Donc, donnez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Allez voir l'autre vidéo. Vous pouvez écrire des questions ou bien nous demander ce que tu veux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos. On a créé plein de contenu à l'avance. Donc, on est prêt et on espère que le reste va bien aller. Qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Fait que... Salut, là!